RKS3, une radio 100% hit. Une station attraction radio. Marchand de hit, nous sommes. Show 95.3. Bon mardi après-midi à vous, Caroline Giroux, qui n'est pas seule en studio présentement. J'ai vraiment le bonheur de recevoir celui qui se décrit comme un faiseur de chansons. Je trouve ça hyper sympathique. Simon Boudreau est avec moi. Salut Simon. Ben salut. Comment ça va? Ça va super bien. Grosse journée, on se disait ça. On a fait pas mal de routes aussi dans les derniers jours. Ouais, puis on va en faire aujourd'hui pas ouais, mal. Ouais, c'est ça. On ça va se faire continue. Du bateau et de la voiture. Et moi, j'aime beaucoup ça demander aux artistes qui sont de passage dans l'Est, qu'est-ce que vous écoutez en auto comme ça, en se rendant vers Matane? Ben aujourd'hui, étant donné que je suis accompagné d'un charismatique personnage, je travaille en relation de presse avec moi, mais il y a accès à plein de CD promo. Donc, on se déballe le CD promo, puis là, on a écouté de tout. On a écouté Samuel, on a écouté Coco Méliès, on a écouté Jonathan Savage. Okay. Qu'est-ce qu'on a écouté aussi? On a écouté Charles-Antoine Gosselin. Donc, on découvre plein de nouvelles personnes, de nouveaux artistes que je ne connaissais pas vraiment. Je connaissais peut-être une chanson ou deux d'eux autres, mais sinon, je ne connaissais pas grand-chose. C'est qu'on le est en meilleur moment, c'est ouais. Ça, pour découvrir ouais. De la musique comme ça, c'est en auto. Ça, on dirait qu'on est encore plus attentif à ce qui se passe. Là, la raison de ta présence ici, oui. C'est qu'avec le printemps, est arrivé un nouvel album pour toi. Troisième album, ouais. Les Aléas de l'ailleurs. Oui. Et là, tu sais pas, mais toi et moi, on a passé la soirée ensemble hier sur mon balcon. Ah oui? J'ai fait l'écoute, en fait, la réécoute de ton album. Un super beau voyage, d'ailleurs. L'ailleurs, c'est ouais. Quoi pour toi? Ben, en fait, dans ce cas-ci, précisément, l'ailleurs, c'était l'idée d'éviter de tomber dans la recette. T'sais, mon deuxième album, j'ai eu, devant les possibles, j'ai eu deux tunes qui se sont promenées quand même pas mal sur les ondes radiophoniques. Les deux tunes étant Fleur bleue et La trotteuse. Donc, j'avais tellement peur d'essayer de tomber dans un moule ou dans une recette qui aurait fait en sorte que je tente de refaire une copie conforme de ces tunes-là. C'est t'sais. Comme le piège d'avoir c'est un. C'est un gros piège, ouais, ouais, c'est un gros piège. Fait que l'idée de l'ailleurs, on a essayé de pousser ça à l'extrême. J'ai dit, OK, mes tunes vont parler de l'ailleurs. Ça va être dans la même continuité, mais on veut pas recréer le deuxième album. Donc, c'est un album qui parle de l'idée de partir, de ce piège-là, de la routine, des différences dans la vie. T'sais, on côtoie plein de gens qui sont différents, qui sont pas identiques à nous. La maladie comme l'Alzheimer. Donc, 70-75% des tunes, je dirais, respectent cette thématique-là. Donc, c'est quelque chose qui t'aide, toi, quand tu te mets en création comme ça, de te guider avec un thème? Oui, oui, beaucoup. Moi, en fait, j'ai besoin de beaucoup de gaz à machine pour commencer quelque chose. Okay. C'est un coup que c'est parti, c'est correct. Je suis capable de travailler sous la pression, mais partir, je serais pas capable de juste essayer d'écrire comme ça. T'sais, quand je pars, j'essaye. Évidemment, je m'essaye souvent, puis il y a plein d'affaires que personne ne va entendre jamais, t'sais, mais... ouais, j'ai besoin de contraintes. Mettons, sur mon deuxième album, La trotteuse, je m'étais imposé des mots pour écrire ce texte-là. Okay. Ouais, fait que dans ce cas-ci, la thématique de l'ailleurs est devenue un peu le filon conducteur de l'album. Ouais, puis je dirais que c'est un album qui est beaucoup plus posé, tu sais, c'est plus réfléchi. C'est la première fois que je faisais un album en étant à temps plein là-dessus. Moi, avant, je travaillais 40 heures par semaine, tu sais, j'avais mes enfants. Fait que tu sais, j'avais pas mal de projets sur la table. Fait que tu sais, les deux premiers albums, on les a conçus, pas à la va-vite, mais tu sais, avec un lâcher-prise qui était plus rapide. Okay. Parce que celui-là, on est retourné à la table de travail souvent, on me disait « Ah, là, je suis pas content. Ah, là, on retravaillait les affaires. » On questionnait bien gros chaque élément, chaque okay. Mot, chaque note. À notre plus grand plaisir, parce que ça donne peut-être, mais moi, je suis vraiment content. Je suis vraiment, vraiment content. Rendu là, il faut que ça fasse son chemin pour atteindre le plus grand nombre de paires d'oreilles. Mais t'sais. Et tu as dit justement que pour toi, c'était le meilleur de tes albums. Ouais. C'est ce qu'on dit, on vous avait mis plus de temps là-dessus. C'est quoi pour toi qui fait une bonne chanson? Ben en fait, je pense qu'une bonne chanson, là, ça se décide quand t'as le poil, c'est le bras qui lève. Mm. Je pense qu'il faut écouter son poil dans la vie. Ouais, non, mais en fait, tu sais, c'est ça le pouvoir de la musique. T'sais, des fois, il y a des gens qui se plaisent à dire « Ah, ça, j'aime pas ça », mais finalement, on les entend fredonner le refrain, tu sais, une couple de minutes après, tu sais... Je pense que ça ne se choisit pas nécessairement de bonnes chansons. Ça ne se passe pas nécessairement dans nos têtes, ouais. Mais physiquement. Fait que, puis moi, j'écoute vraiment de tout. Fait que des bonnes chansons, il y en a plein, mais j'aime beaucoup de petits éléments, tu sais, dans certaines chansons. Puis je pense sur mon album, c'est un cumul de petits éléments que j'aime beaucoup ailleurs. T'sais. Ailleurs, ouais. Justement. Ouais, et là, on aime ton univers, on aime ta voix, on aime... Tu sais, t'es un gars super sympathique.
Mais les mots dans cet album-là et dans les autres aussi, je sais pas si je me trompe, mais ça prend vraiment l'espace central. Ben en fait, ouais, c'est moi j'ai trois éléments. Je dis souvent qu'il y a trois éléments dans mes tunes qui deviennent un peu les éléments signature. Il y a les mots, j'aime ça les textes chargés, les jeux de mots, même si dans cet album-là, je dirais qu'il y a moins de mots que les précédents. Okay. C'est plus épuré, mais il y a encore cette notion de jouer avec les mots, avec la musicalité des mots, surtout les consonnes. J'aime ça jouer avec les consonnes. Il y a les arrangements vocaux, quand même assez peaufinés. Moi, je travaille toujours avec les mêmes trois autres musiciens, autant sur scène qu'en studio. Puis sinon, ben, je suis un gars de refrain. J'aime ça les tunes avec des refrains, tu sais. Puis je pense que mes tunes peuvent devenir des verres d'oreille des fois. C'est sûr, mais ça, c'est signe que le refrain fonctionne dans ce temps-là. Ben, on essaye. T'sais, en même temps, je fais pas ça en pensant que oh ça va donner un verre d'oreille, mais je pense que c'est devenu une malgré façon de travailler. Toi. Ouais, c'est ça. Puis je suis dans ma tête, peut-être que c'est pas vrai partout. Mais là, justement, il y en a qui vont te décrire comme un poète, mais j'ai lu que tu avais peut-être un petit peu de misère avec ce terme-là. C'est pour ça que tu vas plus avec le faiseur de chansons, mais ça se pourrait-tu, à un moment donné, dans un magasin, qu'on voit un livre écrit par Simon Boudreau, un recueil de poésie ou quelque chose comme ça? Peut-être, mais c'est vraiment pas dans mes plans. En fait, pourquoi je dis faiseur de chansons, pas poète, pas musicien? Ben moi, je suis un gars autodidacte. T'sais, j'ai pas de diplôme vraiment aux musiciens avec qui je joue, qui sont de vrais musiciens, qui lisent des partitions, tout ça. Je suis plus un gars d'idées, tu sais, j'ai des idées puis j'invente des affaires. Et pas poète, parce que tous les textes que j'ai écrits, ça a toujours une fonction. J'ai écrit des textes d'exposition, je fais des textes de chansons, mais jamais j'ai fait un recueil de poésie. Puis je pense pas que ces textes-là pourraient être publiés en tant que recueil de poésie, parce que ça a été pensé pour faire partie d'une toune. Ça arrive en chanson. Mais ça pourrait en même temps, je sais pas. Il y a des hasards des fois qui font ça. Ouais, c'est ça. Ça arrive, puis je sais pas. Pour l'instant, c'est pas dans mes plans, mais si j'avais une commande, mettons, d'écrire des textes, j'aimerais ça, tu sais. Ça te prend un cadre, une directive pour... Ben partir, ouais. Tu sais, moi, je suis un gars qui aime ça collectionner les projets, tu sais. Okay. Je fais des ateliers dans les écoles pas mal. Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'adore faire. J'invente des chansons avec les jeunes, autant de maternelle au cinquième secondaire. Puis je trouve ça fascinant, tu sais. Ça m'alimente beaucoup. J'ai toujours travaillé avec les jeunes, puis de faire ça, moi, je trouve ça hallucinant. Là, qu'ils me disent, oh, c'est pour arrondir tes fins de mois, pas en tout. Moi, si je faisais rien que ça de ma vie, là, je serais super content. Il y a comme cette notion-là de partage aussi, de transmission. Ah oui, mais ils m'en donnent vraiment beaucoup. Ah, ouais? Eux aussi, oui, ben oui, certain. Et tes papas, toi aussi, d'ailleurs, ouais, tes enfants. Trois hommes, trois jeunes garçons. Ah ouais? Ouais. Est-ce qu'eux autres aussi t'inspirent, j'imagine, comme artiste? Ben beaucoup, en fait, les enfants, c'est eux qui gèrent la bibliothèque musicale okay. à la maison. Donc, en une heure, on peut écouter Queen, après ça, on va écouter Jean Leloup, Arcade Fire, Jamiroquai, Madonna, puis après ça, ça va être une toune des petites tounes. C'est ça qui est intéressant. Partout. Oui, avec les enfants, on les laisse aller, puis tu sais. Ils n'aimeront pas tout à la fin de tout ça, mais ils vont avoir entendu des affaires, ils vont s'être fait l'oreille sur d'autres choses que, exemple, s'ils écoutaient juste les petites tunes. Puis je trouve ça intéressant. Moi, c'est ça que j'essaie de faire. Je pense qu'il y a du bon dans tout. Même quand une tune, tu penses que tu n'aimes pas ça, mais il y a quelque chose peut-être dans tune qui t'intéresse bien gros. Est-ce que quand tu écris tes chansons, justement, tu as une petite pensée à tes enfants? Est-ce qu'il y a comme des messages là-dedans que tu espères peut-être un jour, ils vont comprendre? Ah, pas nécessairement. Peut-être. S'ils veulent comprendre, ils chercheront. Puis, tu sais, je vais être là pour les réponses. Là. Mais non, je fais pas ça en pensant aux enfants, vraiment. Étonnamment, même avec une chanson comme Fleur Bleue, je suis pas un gars qui fait de la toune biographique. Tu sais, c'est inspiré de mes affaires, mais ça reste que, tu sais, c'est un petit point de vue. Puis, tu sais, j'aime pas ça m'étaler dans ma vie personnelle, ben. Mais. Ouais, pour répondre à ta question, non. Mais s'ils veulent comprendre, ouais, ils vont avoir accès à ben des éléments de réponse. Ils risquent de quand même comprendre pas mal de petits trucs là-dedans. Là, je te ramène un petit peu à ce qu'on parlait tantôt, la poésie, les mots. Parce que hier, moi, ça m'arrive jamais quand j'écoute de la musique, quand j'écoute un album, souvent, je vais commencer l'album du début, me rendre jusqu'à la fin sans arrêter. J'embarque dans ce univers-là. Mais là, hier, il est arrivé quelque chose. Souvent, pendant tes chansons, je me suis pris à reculer un petit peu les chansons parce que je voulais vraiment bien entendre des expressions que tu utilisais ou des mots. Okay. Puis vraiment parce que je trouve, voyons donc, c'est donc bien précis. Il y a une image qui m'a frappée hier.
quand tu dis dans une de tes chansons, je vois chaque choix comme un domino que je dois pousser du doigt. Ouais. Est-ce que ces affaires-là, ces images-là, ces métaphores-là, ça t'arrive de façon spontanée ou il y a comme vraiment du temps de recherche que tu mets là-dedans? Ben en fait, j'aime beaucoup jouer avec les mots, mais il faut que ça ait un sens. Là. Juste me faire une addition de mots semblables, ça serait pas intéressant s'il n'y avait aucune signification. Ben, t'sais, c'est sûr que jouer avec les images, j'aime beaucoup ça. Moi, l'image préférée que j'ai, c'est dans la toune qui s'appelle « Dans ta tête », puis c'est « Es-tu de ces silences qui s'auscultent ». Ouais. Un stéthoscope. Moi, je trouve ça vraiment beau. T'sais, j'imagine un silence, on ne sait pas que ça a l'air, un silence, là, avec son stéthoscope, puis il s'écoute. Moi, je trouve ça beau, mais tu sais, ça, c'est dans la tête. Là, non, c'est super. T'es rendu dans les oreilles des gens, il faut que ça prenne forme. Non, mais c'est un des endroits où j'ai reculé un petit peu. Ouais. Puis l'autre chose que j'ai remarqué, diction, toi, t'as ça facile. Parce que Pas en tout. Pas en tout. Tu donnes des défis dans tes chansons. À l'écrit, c'est bien le fun, là, mais en studio, mettons que je sacre quelques fois, là, pour ne pas dire que je donne quelques pichenottes dans le mur. Parce que. À titre d'exemple, se déchiffrer le chiffrier, ça, on s'en parle quand même facilement là-dedans. Ouais. Mais le mieux ou le pire là, que j'ai trouvé, si on rassemble ceux qui se ressemblent, est-ce qu'ensemble les différences s'assemblent? Ouais, celle-là, j'ai eu de la misère. Ouf! Mais on a tendance à penser que c'est beaucoup trop vite aussi dans la... quand on chante. Puis à un moment donné, on dit « Ok, on va y aller mollo, puis ça va assez bien. » Mais il faut se le mettre en bouche. C'est pas quelque chose que tu dis « Ok, on va le faire tout d'un coup. » Ouais. Moi, celle-là, elle m'a fait choquer probablement. Ouais. Ça arrive-tu qu'on regrette, admettons, d'avoir écrit quelque chose dans une chanson qu'on aimerait ça revenir à l'arrière? Ah ben en studio, des fois, là, des fois, okay, on se dit « Ok, là, c'est trop chargé. » Puis, tu sais, quand on perd le fil, la signification au nom de... Tu sais, de l'acrobatie, là, ouais. Tu sais, je pense que ça vaut pas la peine. Quand on est là, je pense que c'est correct d'avoir du recul et de dire « Ok, là, sur papier, c'était bien intéressant, là, mais la vie, ça se passe pas dans un livre, tu sais. » Là, j'adore ça, j'en ai avec toi, mais là, j'aimerais ça qu'on t'entende en performance. On va écouter un petit souvenir de Niagara pendant qu'on se prépare. Et en même temps, j'en profite pour saluer les gens qui sont avec nous sur la page Facebook de Show 95.3. On écoute Niagara, j'ai vu, et ensuite, performance de Simon Boudreau. On va rester en direct avec vous en même temps. On est trois personnes présentement, ça va bien? Bon, je vois pas les réponses, mais c'est pas grave, on sait que vous êtes là. Hey, merci, moi j'aurais jasé comme ça. C'est une bonne fois. Je vais voir. Qu'est-ce que tu vas nous jouer? Se déchiffrer. Se déchiffrer, parfait. Parler, il faut faire attention. Bon, je vais essayer de dire la bonne affaire. Ça serait quand même drôle. Drôle. Ben drôle pour nous. Ben oui. Bon, je vais juste placer mes petites affaires là-dedans. Ça, cette tournée-là tournait beaucoup dans les concours de lip-sync à l'émission Les 100 watts. Ah ouais? Pas beaucoup. Ça, c'était vraiment bon. Ouais. Ça, par I Want to Cry, là, de RBO. Les classiques. Ouais. T'as quel âge, toi? 26. Toi? 34. Ah, les 100 watts, t'as-tu plus? Ben, moi, j'étais comme juste un peu après, ça. Là. Ça nous marque pareil, hein, ces affaires-là. Ah, ben oui. Je suis tombée sur une publication sur Facebook dernièrement avec toutes les émissions de jeunesse, là, mais c'était pile toutes les émissions que j'avais écoutées, là. Des affaires que tu te rappelles plus. Je sais pas si vous autres, vous avez vu ça. Vice-versa, qui est comme Student Parties, puis je me rappelais pas partout de ça, là. Je pense que à RAC TV ou Télétoon, je sais plus, ouais. Là, mais voyons d'autres. Ah, moi je suis plus Canal Famille. Ah, ouais, c'est ouais. Ça, ouais, ouais. Puis, moi je me rappelle, on était triste quand Canal Famille a fermé. Là. Oui. Là, il y avait l'image Télétoon bientôt, là, on était comme. On réagit, là, on était pas content. Le logo avec l'arbre, c'est ça, Canal ouais. Famille, quelque chose de même. Des beaux souvenirs. J'ai eu la vie. Même à ça, j'avais pas le câble, fait qu'il y avait pas de temps à faire. Je vais aller me prendre un petit gorgée d'eau. Excuse-moi, j'aimerais ça vous offrir des chèques. On a pas de. Ah non, moi je traîne mon eau de puits tout le temps. Ah bon, j'avais pas de puits. Mais sans mieux. Il va falloir que je passe mes petites pubs avant qu'on se parle.
Peux-tu prendre les deux micros pour l'entendre? C'est comme tu veux. Préfères-tu que j'aille deux micros? Moi, excuse-moi, je t'ai pas organisé ça. Moi, j'imagine comme ça, ça va être... Es-tu confortable? Vous prenez le traversier à quelle heure, là? Le traversier, il part à 3 heures. 3 heures? Un petit lunch. 5 heures, 5 heures et demie. Salut Karine! Karine qui te salue en même temps, salut, une de nos Karine. Auditrices. Fidèle à part de ça. Ah oui? Après les deux petites publicités, on va faire ça. Dans 10 secondes à peu près. On est de retour avec Simon Boudreau qui est là avec sa guitare. On a hâte de l'entendre et justement on aura la chance d'écouter l'extrait qui tourne sur nos ondes. Les réactions sont bonnes en plus. C'est Se déchiffrer. Tu le casting, la statistique. Tu l'alter ego de l'algorithme. Suis-tu le sillon de l'échantillonnage? Es-tu dans le manège la moyenne des ménages? Es-tu ce qui dame au bout du compte? Celui qui veut devenir quiconque. Si l'on refusait de marcher dans le sentier imposé, on pourrait se déchiffrer. On pourrait défricher si l'on refusait de camper. Le rôle de la donnée, on pourrait se déchiffrer. Défricher le chiffrier. Défricher le chiffrier. Semblant à la bouche, une file de potins soliloques, versée par la mainmise louche, des statisticiens ventriloques à la grand-messe des statistiques. Une procession calculatrice qui scénarise des conséquences et des catastrophes sans nuance. Si l'on refusait de marcher dans le sentier imposé, on pourrait se déchiffrer, on pourrait défricher. Si l'on refusait de camper, le rôle de la donnée, on pourrait se déchiffrer. Défricher le chiffrier. Défricher le chiffrier. Marcher dans le sentier imposé, on pourrait se déchiffrer, on pourrait...
pourrait défricher si leur fusette campait. L'euro de la donnée, on pourrait se déchiffrer. Défricher le chiffrier. Merci. Ben merci à toi. Hey, c'est le fun parce que c'est une version plus, plus intime, plus dépourvue. Ben d'ailleurs, sur mon album, il y a 2 tunes bonus. Oui, à la fin. Et ouais, les tunes bonus, l'idée c'était d'exploiter la thématique de l'ailleurs encore une fois. Donc, c'était de faire des versions opposées à la version originale. C'est pourquoi il y a une version acoustique, de solo, de se déchiffrer à la fin. Et une autre tune qui s'appelle les couvertures, où on a fait... une version a cappella, sans aucun instrument. En fait, c'est juste des voix. Puis je pense que c'est de belles bébites. Ce sont de belles bébites. C'est vraiment, vraiment quelque chose. Merci. Ben, merci. Allez vous procurer cet album-là qui est magnifique d'ailleurs. Rapidement, là, la couverture aussi qui est une œuvre en soi. Oui, c'est un artiste qui s'appelle Mad Doc, un gars avec qui je travaille tout le temps. Il fait toutes mes photos, vidéos, pochettes, affiches. C'est un gentil génie. Et je vous le montre là, pour les gens qui sont avec nous sur Facebook. Et justement, ce bel album-là, on va pouvoir le remettre en cadeau. Alors, vous pouvez déjà commencer à téléphoner 562-8102. On va prendre quel appel, Simon? Le deuxième. Le deuxième, c'est parfait. Et ça commence à sonner. Et là, nous autres, on va vous souhaiter un super beau voyage parce qu'il y a encore beaucoup de routes, beaucoup de traversiers aussi à faire. Exact, ben oui. Et on espère vous revoir dans l'Est. Ben, on devrait être dans... On est dans l'Est à la mi-juin. Je peux pas dire où on est dans l'Est à la mi-juin. Et... possiblement un autre moment donné aussi, dans un temps assez proche. Ah, ça, on aime s'entendre ça. Merci beaucoup, Simon. Ben, merci de l'accueil, c'était génial. Merci, merci. Une super belle journée. Bonne route à vous autres et bon lancement aussi à Montréal. Merci. Salut. Salut. Salut.